Les spectateurs se figent quand le train passe devant eux. À chaque fois qu'il m'interroge, le « i » séparé de la phrase s'envola comme un ballon sur la prairie. Son sérieux me tue. La tête enfoncée dans le faux col, les cheveux lissés en ordre autour du crâne, les muscles des joues serrés en bas à leur place. La forêt est-elle toujours là? La forêt était encore à peu près là. À peine mon regard s'était-il déplacé de 10 pas que je la perdis, repris par l'ennui de la conversation. Dans la sombre forêt au sol spongieux, je ne trouvais mon chemin que grâce à la blancheur de son faux col.
rêve, je demandais à la danseuse Eduardova de bien vouloir à nouveau danser la Xardas. Elle avait une large bande d'ombre ou de lumière au milieu du visage, entre le bas du front et le milieu du menton. Juste au même moment, quelqu'un entra avec les mouvements répugnants de l'intrigant qui s'ignore pour lui dire que le train allait partir. À sa façon d'écouter la nouvelle, je compris, hélas, qu'elle ne danserait plus. Je suis une femme bien méchante et mauvaise, n'est-ce pas ? Dit-elle. Mais non, dis-je, pas du tout. Et je me préparais à partir dans une direction prise au hasard. À propos de toutes ces fleurs qui étaient à sa ceinture. Elles viennent de tous les princes d'Europe, dit-elle. Je réfléchis à la signification du fait que ces fleurs fraîches à sa ceinture avaient été offertes à la danseuse Eduardova par tous les princes d'Europe.
Es-tu désespéré? Oui, tu es désespéré. Tu t'enfuis? Tu veux te cacher? Je passais près du bordel comme si c'était la maison d'une bien-aimée. Es-tu désespéré? Oui, tu es désespéré. Tu t'enfuis? Tu veux te cacher? Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Tu t'enfuis. Tu veux te cacher? Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré? Tu t'enfuis? Tu veux te cacher? Es-tu désespéré? Oui, tu es désespéré. Tu t'enfuis. Tu veux te cacher? Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Tu t'enfuis. Tu veux te cacher. Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Tu t'enfuis. Tu veux te cacher. Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Tu t'enfuis. Tu veux te cacher. Es-tu désespéré? Oui, tu es désespéré, tu t'enfuis, et tu désespères de te cacher. Tu veux te cacher. Oui, tu es désespéré, et tu désespères de te cacher. Tu es désespéré, oui, et tu désespères de te cacher. Es-tu désespéré? Oui. Tu es désespéré. Es-tu désespéré? Oui. Tu veux te cacher. Tu veux te désespérer. Es-tu désespéré? Oui, t'enfuis. Tu t'enfuis. Tu veux te... Oui. Tu veux te cacher. Es-tu désespéré? Oui. Es-tu désespéré? Désespéré. T'enfuis. Tu es désespéré. Thank you.
Des écrivains parlent puanteur. Les lingères dans les averses. Par la fenêtre du coupé. Brûler aujourd'hui beaucoup de vieux papiers répugnants. Enfin, après 5 mois de ma vie pendant lesquels je n'ai rien pu écrire qui m'aurait satisfait et qu'aucune puissance ne pourra me rendre,
alors même qu'elles en auraient toute l'obligation, j'ai l'idée de m'adresser à nouveau à moi-même. J'ai encore toujours répondu à cela. À chaque fois que je m'interrogeais moi-même, il y avait encore toujours quelque chose à tirer de moi, de ce tas de paille que je suis depuis 5 mois, et dont le destin semble être une mise à feu en été et une consommation plus rapide qu'un clignement des yeux du spectateur. Si seulement cela pouvait se passer ainsi avec moi. Et cela devrait même se passer 10 fois, car je ne regrette même pas ces jours malheureux. Mon état n'est pas le malheur, mais ce n'est pas non plus le bonheur. Pas de l'indifférence, ni de la faiblesse, pas de la lassitude, pas un intérêt pour autre chose, et donc c'est quoi ? Mon état n'est pas le malheur, mais ce n'est pas non plus le bonheur. Pas de l'indifférence, ni de la faiblesse, pas de la lassitude, pas un intérêt pour autre chose, et donc c'est quoi ? Que je ne le sache pas est sans doute lié à mon incapacité à écrire. Et celle-ci, je crois la comprendre sans en connaître la raison. Toutes les choses qui me viennent à l'esprit y viennent non par leurs racines, mais seulement de quelque part au milieu. Si quelqu'un essaie de les saisir, c'est comme s'il essayait de s'agripper à un brin d'herbe qui ne commencerait à croître qu'au milieu de la tige. C'est ce dont certains sont capables, comme par exemple des jongleurs japonais qui montent sur une échelle qui n'est pas posée sur le sol, mais sur les semelles levées d'un assistant à demi couché et qui, elle, n'est pas appuyée contre un mur, mais se dresse seulement dans l'air. Je ne le peux pas, même en ne tenant pas compte du fait que mon échelle ne dispose pas de ces semelles. Bien sûr, ce n'est pas tout. Et une telle interpellation ne m'amène pas encore à m'exprimer. Mais chaque jour, au moins une ligne doit me viser comme on vise les comètes dans les télescopes. Et si alors j'apparaissais une fois devant cette phrase, attiré par cette phrase, comme par exemple ce fut le cas lors de la Noël passée, j'en étais arrivé au point de pouvoir tout juste me ressaisir. Je semblais être vraiment sur le dernier barreau de mon échelle, qui pourtant était tranquillement posée sur le sol et appuyée contre le mur. Mais quel sol ! Quel mur ! Et pourtant cette échelle ne tomba pas. Mes pieds l'ont maintenue au sol, mes pieds l'ont collée au mur.
dire que mon éducation m'a beaucoup nui à bien des égards. Quand j'y réfléchis, je dois dire que mon éducation m'a beaucoup nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et je dois toujours alors dire que mon éducation m'a beaucoup nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler et à chaque fois, de quelque façon que je m'y prenne, j'en arrive à la conclusion que mon éducation m'a terriblement nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais j'en arrive toujours à la conclusion que mon éducation m'a plus abîmé que je ne puis le comprendre. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais je parviens toujours à la même conclusion. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais, que je comprends mieux que moi. Quand j'y réfléchis, je dois dire que mon éducation m'a beaucoup nui. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler et à chaque fois, de quelque façon que je m'y prenne, j'en arrive à la conclusion que mon éducation m'a terriblement nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais j'en arrive toujours à la conclusion que mon éducation m'a plus abîmé que je ne puis le comprendre. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais je parviens toujours à la même conclusion. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais et que je comprends mieux que moi. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais je parviens toujours à la même conclusion. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais et que je comprends mieux que moi. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais je parviens toujours à la même conclusion. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais et que je comprends mieux que moi. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais et que je comprends mieux que moi. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler, mais je parviens toujours à la même conclusion. L'éducation m'a plus abîmé que tous les gens que je connais et que je comprends mieux que moi. Quand j'y réfléchis, je dois dire que mon éducation m'a beaucoup nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler. Et à chaque fois, de quelque façon que je m'y prenne, j'en arrive à la conclusion que mon éducation m'a terriblement nui à bien des égards. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler. Mais j'en arrive toujours à la conclusion que mon éducation m'a plus abîmé que je ne puis le comprendre. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler. Mais j'en arrive toujours à la conclusion que mon éducation m'a plus abîmé que je ne puis le comprendre. J'y réfléchis souvent et laisse les pensées aller leur cours sans m'en mêler. Et j'en arrive toujours à la conclusion que mon éducation m'a plus abîmé que je ne puis le comprendre. Thank you.
Si l'on me pose la question, vraiment, est-ce possible? Doit-on le croire? Je cherche aussitôt à en restreindre la portée par peur et nervosité. Extérieurement, je ressemble à n'importe qui. J'ai des jambes, un torse et une tête, un pantalon, un habit et un chapeau. On m'a fait faire sérieusement de la gymnastique, et si je suis resté plutôt petit et faible, c'est parce que c'était inévitable. D'ailleurs, je plais beaucoup, même à de très jeunes filles, et même ceux à qui je ne plais pas me trouvent quand même supportables. En rapporté, nous sommes disposés à le croire que des hommes en danger n'accordent plus aucune attention, même à de belles inconnues. Ils les poussent contre le mur, les poussent de la tête et des mains, avec leurs genoux et leurs coudes, si ces femmes les empêchent de fuir le théâtre en feu. Alors nos femmes, si bavardes, se taisent. Le flot intarissable de leurs paroles trouve un verbe et un point final. Les sourcils montent au-dessus de leur position de repos. Le mouvement respiratoire des cuisses et des hanches cesse. Plus d'air que d'habitude pénètre dans leur bouche, que la peur ferme légèrement et les joues semblent un peu gonflées.
marteau en bois annonce le début. Yeah.
Resteras-tu encore longtemps ici ? Demandai-je. Ces paroles soudaines me firent postillonner. Mauvais présage. Cela te dérange-t-il ? Si cela te dérange ou t'empêche de monter, je m'en vais tout de suite. Sinon, j'aimerais bien rester encore, car je suis fatigué. Les Français sont tous des comédiens. Mais seuls les plus faibles d'entre eux jouent la comédie. La claque dans les théâtres français. Les donneurs d'ordre au parterre. Pour les suivants, laissez tomber le journal pour les hommes de la galerie. Un marteau en bois annonce le début. Alors que je voulais sortir du lit aujourd'hui, je me suis retrouvé complètement entortillé. La cause en est très simple. Je suis totalement débordé de travail. Pas par le bureau, mais par mon autre travail. Le bureau n'y participe de manière innocente que dans la mesure où, si je n'avais pas besoin d'y aller, je pourrais vivre tranquillement pour mon travail et je n'aurais pas besoin d'y passer ces 6 heures par jour qui, surtout vendredi et samedi, m'ont tellement fait souffrir. Vous ne pouvez pas vous imaginer parce que j'étais si empli de mes choses. En fin de compte, tout cela, je le sais bien, n'est que du bavardage. C'est moi le coupable et le bureau a contre moi les exigences les plus claires et les plus légitimes. Mais voilà, c'est pour moi une double vie effrayante dont l'issue n'est probablement rien d'autre que la folie. J'écris cela dans la bonne lumière du matin et je ne l'écrirais certainement pas si ce n'était pas vrai et si je ne vous aimais pas comme un fils. D'ailleurs, je me serais certainement déjà repris demain. Je viendrai au bureau où la première chose que j'entendrai sera que vous voulez que je quitte votre service. Ce sentiment de fausseté que j'ai en écrivant pourrait être représenté par cette image. Quelqu'un attendrait devant deux trous creusés dans le sol, une apparition qui ne doit surgir que du côté droit. Mais alors que justement, ce trou-là reste obturé par une paroi assez opaque, une apparition après l'autre
sort du trou gauche, cherche à attirer le regard sur soi et finit par y parvenir sans effort grâce à son ampleur toujours croissante, qui finit même par recouvrir la bonne ouverture, quel que soit le moyen de défense pour empêcher cela. Mais voilà, si on ne veut pas quitter cette place, et cela on ne le veut à aucun prix, on doit s'accommoder de ces apparitions, qui pourtant, en raison de leur fugacité, leur force s'épuise dans le fait même d'apparaître, ne peuvent suffire. Mais quand par faiblesse elles s'arrêtent, on les disperse vers le haut et dans toutes les directions, juste pour en susciter d'autres, parce que leur vision prolongée vous est insupportable et aussi parce que l'espoir subsiste qu'après épuisement des fausses apparitions, les vraies pourront enfin surgir. Dès que M. Klug arrive dans une nouvelle ville, on remarque que ses bijoux et ceux de sa femme disparaissent au Mont-de-Piété. Au moment de repartir, il les récupère petit à petit. Une des impressions les plus importantes laissées par l'adieu de Mme Klug fut que j'ai toujours dû croire qu'en tant que modeste petite bourgeoise, elle devait se contraindre à rester sous le niveau de sa vraie vocation humaine, et qu'il suffirait d'un saut, d'une porte qui s'ouvre, d'une lumière qui s'allume pour qu'elle soit une actrice et pour qu'elle me soumette. Elle se trouvait d'ailleurs vraiment en haut et moi en bas, comme au théâtre. Elle s'est mariée à 16 ans. Elle en a 26. Cet après-midi, je fus gagné par la douleur de mon abandon, si térébrante et si dure en moi que je remarquai que c'était ainsi que la force que j'acquiers en écrivant ceci et que je n'ai vraiment pas destiné à cet usage se dilapide. Thank you.
Ce matin, tôt, pour la première fois depuis longtemps, de nouveau, la joie d'imaginer un couteau fouillant dans mon cœur. Ce matin, tôt, pour la première fois depuis longtemps, de nouveau, la joie d'imaginer un couteau fouillant dans mon cœur. Phrase préférée de la femme du philosophe Mendelssohn. Comme je me sens mal devant tout l'univers. Alors que j'étais étendu sur le canapé et qu'il y avait dans les deux chambres à côté de moi des conversations à voix haute, à gauche uniquement des femmes, à droite, plutôt des hommes, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'êtres bruts, avec un côté nègre, des êtres indomptables, qui ne savent pas ce dont ils parlent, et qui ne parlent que pour mettre l'air en mouvement. Ils lèvent la tête en parlant, et contemplent les mots qu'ils prononcent. En ce moment, je lis des lettres de Flaubert. Mon roman est le rocher auquel je m'accroche, et je ne sais rien de ce qui se passe dans le monde. J'ai écrit quelque chose de semblable le 9-5 pour moi-même. Marcher pendant 2 heures par les rues, sans poids, sans eau, sans corps, et réfléchir à ce que j'avais surmonté l'après-midi en écrivant. Mauvais, rien n'écrit aujourd'hui, pas le temps demain. Commencez un peu, suis un peu somnolent. Et abandonné parmi tous ces gens complètement étrangers.
l'histoire de la fille du jardinier qui m'a interrompu dans mon travail avant-hier. Moi qui veux guérir ma neurasthénie par le travail, je dois l'écouter raconter que son frère, il s'appelait Yann, était de fait le véritable jardinier et le successeur présumé du vieux Dvorsky, et même déjà le propriétaire du jardin fleuri, s'est empoisonné il y a 2 mois, à l'âge de 28 ans, dans un accès de mélancolie. Pendant l'été, il s'était senti à peu près bien malgré sa nature d'ermite, car il devait au moins fréquenter des clients. Par contre, en hiver, il s'était complètement refermé sur lui-même. Sa bien-aimée était une fonctionnaire, Urednis, une jeune fille tout aussi mélancolique. Ils allaient souvent ensemble au cimetière. Menace, le géant, lors de la représentation en jargon. Il y avait quelque chose d'enchanteur qui m'a saisi en voyant ses mouvements s'accorder à la musique. J'ai oublié quoi ? Mon rire bête lorsque j'ai dit à ma mère aujourd'hui que j'allais à Berlin à la Pentecôte. Pourquoi ris-tu ? Dit ma mère. Parmi quelques autres remarques dont il faut bien réfléchir avant de se lier pour toujours, hein, que j'ai toujours rejeté avec des remarques comme « ce n'est rien », etc. « Par embarras », dis-je. Et j'étais content d'avoir au moins une fois dit quelque chose de vrai dans toute cette affaire. Rencontré hier la baillie, sa tranquillité, son contentement, sa sérénité et sa clarté, alors que dans les 2 dernières années, son passage à l'état de vieille femme s'est accompli, que son opulence, qui était déjà à l'époque une gêne, aura bientôt atteint la limite de l'obésité stérile, que sa démarche, hein, en est arrivée au stade du roulement et du glissement avec des à-coups, plutôt avec mise en avant du ventre, et que des poils de barbe lui font des boucles au menton. Regard rapide seulement sur le menton, là où il y avait du duvet. Le lépreux et sa femme. La façon dont elle relève toujours de nouveau son postérieur avec tous ses ulcères. Elle est couchée à plat ventre sur son lit, bien qu'il y ait un invité. La façon dont son mari lui crie toujours de rester couché et de se couvrir. Le mari a été touché par derrière par un épieu. On ne sait pas d'où il venait. Jeté à terre et transpercé. Couché sur le sol, il se plaint, la tête dressée et les bras écartés. Plus tard, il peut quand même déjà se relever un instant en chancelant. Il ne sait rien raconter d'autre que comment il a été touché. Il montre la direction probable d'où l'épieu est venu, d'après lui. Ses récits toujours les mêmes. Fatigue déjà son épouse, surtout parce que l'homme montre toujours de nouveau une autre direction.
Continuellement, cette vision d'un large couteau de charcutier qui entre en moi très vite et avec une régularité mécanique par le côté et qui découpe de très fines tranches, lesquelles, à cause de la rapidité du travail, volent presque en rondelles. La peur à laquelle je suis soumis de tous les côtés. L'auscultation chez le docteur, la façon dont il procède tout de suite contre moi, je me creuse littéralement et lui, méprisé et non contredit, il tient en moi ses propos vides. Solitude jusqu'à la perte de conscience, n'être placé
qu'en face de moi-même. Peut-être l'aurai-je à Riva. L'ardeur avec laquelle j'ai joué dans la salle de bain de ma sœur une scène cinématographique comique. Pourquoi je n'y arrive jamais devant des étrangers ? Je n'aurais jamais épousé une jeune fille avec laquelle j'aurais vécu un an dans la même ville. L'élargissement et l'élévation d'une existence par un mariage. Parole de sermon. Mais je le pressens presque. Quand je dis quelque chose, cela perd immédiatement et définitivement son importance. Quand je l'écris, cela la perd aussi toujours, mais en gagne parfois une nouvelle. En bas, sur la rivière, il y avait plusieurs bateaux. Les pêcheurs avaient jeté leurs lignes. C'était un jour gris. Quelques gamins s'appuyaient à la rambarde des quais en croisant les jambes.
ne pas désespérer, même pas à cause du fait que tu ne désespères pas. Si tout semble déjà fini, de nouvelles forces arrivent quand même, ce qui signifie justement que tu vis. Si elles ne viennent pas, alors ici tout est fini, mais définitivement. Rêve. Sur un chemin montant se trouvait au milieu à peu près de la pente, en fait commençant essentiellement sur la chaussée à gauche, vue d'en bas, des ordures ou de la boue solidifiée dont le niveau, en raison de l'effritement, était devenu à droite toujours plus bas, alors qu'à gauche, il était aussi haut que les palissades d'une clôture. Je marchais à droite, là où le chemin était presque libre, et je vis un homme sur un tricycle qui venait vers moi par le bas et qui apparemment se dirigeait tout droit contre l'obstacle. C'était un homme qui était comme sans yeux, en tout cas ses yeux avaient l'air d'être des trous effacés. Le tricycle était branlant. Il poursuivait du coup son chemin de manière incertaine et relâchée, mais quand même sans faire de bruit, silencieux et léger, d'une manière presque exagérée. J'attrapais l'homme au dernier moment. Je le tins comme s'il était lui-même le guidon de son véhicule et je menais celui-ci par la brèche par laquelle j'étais venu. Il tomba alors contre moi. J'avais maintenant la taille d'un géant, mais je ne pus quand même le retenir que dans une posture très contrainte. De plus, le véhicule, comme s'il n'avait maintenant plus de propriétaire, commença à rouler en arrière, même si c'était lentement, et il m'entraînait avec lui. Nous passâmes à côté d'une carriole dans laquelle quelques personnes étaient debout, serrées, toutes habillées de sombre, parmi lesquelles il y avait un jeune éclaireur avec un chapeau recourbé gris clair. J'attendais de l'aide de ce garçon, que j'avais déjà repéré depuis une certaine distance, mais il se détourna et se glissa entre les gens. Ensuite, quelqu'un arriva derrière cette carriole. Le tricycle continuait à rouler et je devais le suivre en me penchant très bas et en écartant les jambes, qui me vint en aide, mais dont je ne peux me souvenir. Je sais seulement que c'était un homme en lequel on pouvait avoir toute confiance, que maintenant il se cache comme derrière une étoffe noire tendue et je dois respecter sa volonté d'être dissimulé.
je passe intentionnellement par les rues où il y a des prostituées. Passer près d'elles m'excite. Cette possibilité lointaine, mais toujours existante, d'aller avec l'une d'elles, est-ce de la grossièreté ? Je ne connais pourtant rien de meilleur et au fond, l'accomplissement de cela me semble innocent et ne me cause presque aucun remords. Je ne veux que les grosses, âgées, avec des vêtements vieillots, mais rendus amples, d'une certaine façon, grâce à différents ornements. Une femme me connaît probablement déjà. Je l'ai rencontrée cet après-midi. Elle n'avait pas encore sa tenue professionnelle. Ses cheveux étaient encore aplatis sur sa tête. Elle n'avait pas de chapeau, mais portait une blouse de travail, comme en ont les cuisinières. Et elle portait un quelconque ballot de vêtements, sans doute chez la blanchisseuse. Aucun homme n'aurait trouvé quelque chose de séduisant en elle, à part moi. Nous sommes regardés furtivement. Maintenant, ce soir, entre-temps, il a fait froid. Je l'ai vu dans un manteau serré, jaune-brun, de l'autre côté de la rue étroite qui coupe la Zettnergrasse, là où elle a son promenoir. Je me suis retourné deux fois pour la voir. Elle a perçu mon regard.
mais ensuite je lui ai échappé. Commencé avec tant d'espoir et rejeté par les trois histoires, par elles toutes, aujourd'hui le plus violemment. Peut-être ce qu'il faut faire, le commencer à travailler sur l'histoire russe que toujours après le procès. Avec cet espoir ridicule qui ne s'appuie apparemment que sur une chimère mécanique, je recommence le procès. Cela ne fut pas totalement inutile. Froid et vide. Je ne ressens que trop les limites de mes capacités qui, si je ne suis pas complètement sous le coup de l'inspiration, sont sans aucun doute plutôt étroites. Et je crois que même dans l'inspiration, je ne suis tiré en avant que dans ces limites étroites, qu'alors, il est vrai, je ne sens pas. Car je suis tiré en avant. Il y a cependant à l'intérieur de ces limites de la place pour vivre, et à cause de cela, je vais les utiliser jusqu'à la bassesse. Rater la fin d'un chapitre, je ne pourrais guère continuer, ou en tout cas certainement pas aussi bien, un autre chapitre déjà commencé, alors que j'y serais certainement parvenu l'autre nuit. Mais je ne dois pas me quitter. Je suis tout seul. Je veux te demander conseil. Pourquoi précisément moi ? J'ai confiance en toi. Je t'ai déjà vu souvent en société. Et dans nos réunions, à la fin, on en arrive toujours au conseil. Là-dessus, nous sommes quand même d'accord. Quelle que soit la société, que l'on fasse ensemble du théâtre, ou que l'on boive du thé, ou que l'on convoque des esprits, ou que l'on veuille aider les pauvres, il s'agit toujours quand même de conseils. Un peuple aussi nombreux et mal conseillé, et plus encore qu'il n'y paraît, car ceux qui donnent un conseil lors de telles réunions ne le donnent que de la voix, avec le cœur, ils le cherchent eux-mêmes. Ils ont toujours leur double parmi ceux qui cherchent conseil et ils l'ont repéré tout particulièrement. Mais de tous, c'est lui qui s'en va, écœuré, le plus insatisfait. Et il tire derrière lui le donneur de conseil vers d'autres rencontres et vers le même jeu. B. Il en est ainsi. Bien sûr, tu t'en rends quand même compte. Il n'y a d'ailleurs là aucun mérite. Le monde entier le reconnaît et sa demande est d'autant plus pressante.
Tu es déjà venu ici? Non? Tu me reconnais? C'est étonnant. Mais en pensée, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec toi. Que voulais-tu donc à l'époque, quand nous nous sommes vus pour la dernière fois? Te demander conseil. B. C'est juste. Et j'ai pu te le donner. Non. Nous n'avons hélas pas pu nous mettre d'accord dès la formulation de la question. B. Cela s'est donc passé ainsi. Oui. C'était très insatisfaisant, mais seulement pour un instant. On ne peut tout simplement pas boucler l'affaire en une fois. Ne pourrait-on pas la reprendre une fois? B. Bien sûr. B. Pose juste ta question. B. Je vais donc poser la question. B. Je t'en prie. B. Ma femme. B. Ta femme. Oui, oui. Mais je ne comprends pas cela. Tu possèdes une femme? Je ne suis pas content de toi. B. Je ne te demande pas pourquoi. Je le sais. Et B. Je suis si impuissant. Je ne peux rien changer. Hausser les épaules et fermer ma bouche, je ne peux pas plus. Je vais te conduire auprès de mon Seigneur. Le veux-tu? B. J'ai honte. B. Comment me recevra-t-il? Allez tout de suite chez le Seigneur. C'est frivole. Laisse-moi la responsabilité. Je te conduis. Viens. Il passe un corridor. A. Frappe à une porte. On entend crier « Entrez !» B veut s'enfuir, mais A l'attrape et ils entrent ainsi. C. Qui est le Seigneur? A. Je pensais... À ses pieds. Jette-toi à ses pieds. Donc, pas d'issue. B. Je n'en ai trouvé aucune. Et c'est pourtant toi qui, de nous tous, connais le mieux la région. B. B. Oui, B. Tu tournes continuellement ici autour de la porte. Que veux-tu donc? B. Rien, merci. B. Comme ça, rien. Je te connais d'ailleurs. B. C'est sans doute une erreur. Non, non. Tu es B. Et tu étais à l'école ici il y a 20 ans. Oui ou non? B. Bon, alors oui. Je n'ai pas osé me présenter. Tu sembles bien être devenu anxieux avec les années. À l'époque, tu n'étais pas. B. Oui, à l'époque. B. Je regrette tout. B. Comme si je venais de le faire dans l'heure. A. Donc tout se paie dans la vie. B. Ah. B. Ah. Je l'ai bien dit. B. Vous l'avez dit. B. Mais cela ne se passe quand même pas comme cela. Cela ne se paie pas directement. Que j'ai séché l'école, mon employeur n'en a rien à faire. Cela n'a pas nui à ma carrière, non.
l'horreur de ce qui n'est que schématique. 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 On célébrait des fiançailles. Le repas de fête était terminé. Les invités se levèrent de table. On ouvrit toutes les fenêtres. C'était une belle et chaude soirée de juin. La fiancée se trouvait au milieu d'un cercle d'amis et de vieilles connaissances. Les autres formaient de petits groupes. On riait beaucoup ici et là. Le fiancé était penché seul au balcon et regardait dehors. Après quelque temps, la mère de la fiancée le remarqua. Elle alla vers lui et dit « Tu te tiens si seul ici? Pourquoi ne vas-tu pas avec Olga? Vous êtes-vous disputé ?»« Non, » répondit le fiancé. « Nous n'avons pas eu de dispute. »« Bon alors, » dit la femme, « va donc auprès de ta fiancée. » Ton comportement fait déjà jaser. Pour la première fois, le cheval blanc apparut par une matinée d'automne dans une grande rue animée de la ville de A. Il sortit du couloir d'une maison dans la cour de laquelle une entreprise d'expédition avait de grands espaces d'entrepôt, si bien que souvent des attelages et même de temps en temps un cheval isolé devait être conduit dehors par le portail de la maison et qu'en conséquence, le cheval blanc n'attirait pas spécialement l'attention. Il n'appartenait pourtant pas à l'écurie de l'entreprise d'expédition. Un ouvrier qui resserrait devant le portail les liens d'un ballot de marchandises remarqua le cheval, leva les yeux de son travail, puis regarda dans la cour pour voir si le cocher allait bientôt arriver. Personne n'arriva, mais le cheval se cabra. À peine avait-il puissamment emprunté le trottoir qu'il tira quelques étincelles du pavé. Il fut pendant un instant très proche de la chute, mais il se reprit aussitôt et il trotta ensuite, ni trop vite, ni trop lentement, le long de la rue presque entièrement vide à cette heure crépusculaire. L'ouvrier maudit les cochers qu'il jugeait négligents. Il cria quelques noms dans la cour et en effet des gens sortirent, mais comme ils constatèrent aussitôt qu'il s'agissait d'un cheval qui leur était étranger, ils restèrent à côté les uns des autres, juste un peu étonnés, dans le portail. Il fallut un petit moment pour que quelques-uns parmi eux se ravisent, qu'ils courent après le cheval sur une bonne distance, mais comme ils ne parvinrent même plus à le voir, il revint rapidement. Entre-temps, le cheval avait déjà atteint les rues du faubourg les plus éloignées, sans avoir été arrêté. Il s'insérait mieux dans la vie de la rue que les autres chevaux allant tout seul. Son pas lent ne pouvait effrayer personne. Il ne quittait jamais la chaussée, ni même le côté de la rue prescrit pour la circulation. S'il était nécessaire de s'arrêter pour laisser passer un véhicule venant d'une rue adjacente, il s'arrêtait. Si le cocher le plus prudent l'avait mené par le licou, il n'aurait pu se comporter de manière plus irréprochable. Malgré tout, c'était bien sûr un spectacle remarquable. Ici et là, quelqu'un restait sur place et le regardait en souriant. Du haut d'une voiture de brasserie, un cocher leva pour plaisanter son fouet en direction du cheval. Il s'effraya, certes, leva les sabots de devant, mais n'accéléra pas son pas.
Un policier avait précisément remarqué cet incident. Il alla vers le cheval, qui avait encore au dernier moment cherché à prendre une autre direction. Il le prit par la bride. Malgré sa constitution pas très puissante, il était bridé comme un cheval de trait et lui dit, d'ailleurs très aimablement, « Halte !»« Où vas-tu donc ?» Il le retint fermement pendant un moment au milieu de la chaussée, car il pensait que le propriétaire ne tarderait pas à rejoindre sa bête échappée. Cela a du sens, mais c'est faible. Le sang coule peu, trop loin du cœur. J'ai encore de jolies scènes en tête et pourtant j'arrête. Hier, le cheval blanc m'est apparu pour la première fois avant que je m'endorme. J'ai l'impression qu'il serait d'abord sorti de ma tête, tourné vers le mur, qu'il aurait sauté par-dessus moi et en bas du lit, et qu'il se serait perdu ensuite. Ce que je viens de dire tout de suite n'est hélas pas contredit par le début de l'histoire. Si je ne me trompe pas de beaucoup, je m'approche quand même. C'est comme si quelque part dans une clairière, il y avait le combat spirituel. Je pénètre dans la forêt, je ne trouve rien et, par faiblesse, je me dépêche d'en sortir. Souvent, quand je quitte la forêt, j'entends ou crois entendre le cliquetis des armes de ce combat. Peut-être les regards des combattants me cherchent-ils dans l'obscurité de la forêt. Mais je ne sais sur eux que très peu de choses et trompeuses. Désespoir venant aussi de là, aucun accueil nulle part. Un
digestion. 2. Neurasthénie. 3. Éruption. 4. Insécurité intérieure. Si seulement elle se mélangeait sans tension dans une tête. Les avantages intérieurs que des travaux littéraires médiocres retirent du fait que leurs auteurs sont encore en vie et les soutiennent. Le sens réel du vieillissement. Je ne peux pas dormir. Seulement des rêves, pas de sommeil. Aujourd'hui, j'ai trouvé en rêve un nouveau moyen de transport pour un parc très pentu. On prend une branche qui n'a pas besoin d'être très grosse. On l'appuie de biais contre le sol. On en garde une extrémité en main. On s'assoit le plus doucement possible dessus comme sur une selle de dame. Tout le rameau dévale alors bien sûr la pente. Comme on est assis sur la branche, on est emporté avec elle et on se balance confortablement à toute vitesse sur le bois élastique. On trouve alors aussi une possibilité d'utiliser la branche pour remonter la pente. L'avantage essentiel consiste en ceci que la facilité de toute cette installation mise à part, la branche, fine et mobile comme elle est, et qui peut, selon les besoins, être abaissé ou relevé, passe partout. Là où un homme seul aurait bien des difficultés à se frayer un passage. Tiré par une corde serrée autour du cou, à travers la fenêtre du rez-de-chaussée d'une maison, et être hissé de force, et sans aucune précaution, comme par quelqu'un qui ne fait pas du tout attention, sanguinolent et en miettes, à travers tous les plafonds des pièces, les meubles, les murs et les greniers, jusqu'à ce qu'en haut, sur le toit, apparaisse le nœud coulant vide, qui n'a perdu mes restes qu'en transperçant les tuiles du toit.
être tiré par une corde serrée autour du cou, à travers la fenêtre du rez-de-chaussée d'une maison, et être hissé de force et sans aucune précaution, comme par quelqu'un qui ne fait pas du tout attention, sanguinolent et en miettes, à travers tous les plafonds des pièces, les meubles, les murs et les greniers, jusqu'à ce qu'en haut, sur le toit, apparaisse le nœud coulant vide, qui n'a perdu mes restes qu'en transperçant les tuiles du toit. Familiariserai avec la mort. Reste d'une foi. Retour au Père. Grande journée de réconciliation. Si je m'examine par rapport à mon but final, il s'avère que je ne cherche en fait pas à devenir un homme bon et à répondre aux attentes d'un tribunal suprême, mais tout au contraire, à regarder de près toute la communauté humaine et animale, à reconnaître ses prédilections fondamentales, ses désirs, ces idéaux moraux, à les ramener à des préceptes simples et à me développer moi-même le plus tôt possible en ce sens, si bien que je leur plairai beaucoup à tous. Et en fait, c'est ici qu'il y a le saut, que je leur plairai tellement que finalement moi, sans perdre l'amour de tous, j'aurai le droit, en tant que seul pécheur qui ne sera pas rôti, de pratiquer mes vilainies consubstantielles ouvertement devant les yeux de tous. En résumé, ne m'importe que le tribunal de l'humanité, et celui-ci, en plus, je veux le tromper. Il est vrai, sans tromperie.
Peut-on appeler cela mener une conversation lorsque l'autre se tait et que, pour préserver l'apparence de la conversation, on cherche à le remplacer et donc on l'imite, donc on le parodie, donc on se parodie soi-même. À deux, il se sent plus abandonné que tout seul. S'il est avec quelqu'un d'autre, cette deuxième personne veut le saisir et il lui est livré sans défense. S'il est seul, c'est certes l'humanité tout entière qui veut le saisir, mais les innombrables bras tendus vers lui se mêlent inextricablement et personne ne l'atteint. Thank you.